twarumvise umukuru mutumba atubwira ko nyakomstantera zotugendera mu byavuzwe ntazokwibagira haravuzwemo kwazo hari ishira hamwe mu migabo n'imigambi bazokwigisha no kurangurira bene gihugu. Des initiatives qui tendent à la réduction des causes des conflits ont été développées, notamment le programme BBB. BBB, Building Bridges in Burundi, construire des ponts en français, est un programme qui a débuté en 2017 et a pour objectif final de contribuer à la réduction des causes de conflits au Burundi. BBB s'est appuyé sur quatre piliers pour parvenir à cet objectif. La résilience économique, la cohésion sociale, la bonne gouvernance et la justice transitionnelle et informelle. Financé par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération du Royaume des Pays-Bas, le programme qui regroupe 4 organisations internationales et 9 organisations nationales a directement touché 10 511 femmes et 7 925 hommes dans 6 provinces du Burundi, à savoir Kirundo, Chibitoke, Rutana, Makamba, Bujumbura et Bujumbura-Mairie. Parlons du volet 1, la résilience économique. En 2021, 99% des bénéficiaires admettent qu'ils ont enregistré une croissance économique grâce au programme. Le revenu moyen est passé de 36 650 francs-bou en 2018 à 181 548 francs-bou en 2021. Cornélien n'est pas un cas isolé. Le programme BBB a pu créer 894 groupements d'entraide mutuelle. À Bougawila et à Kirundo, la FECABU a travaillé avec 3500 personnes, dont 80% étaient des jeunes qui se sont organisés en 202 groupements d'entraide mutuelle. Moi, j'aime quand je vais dans la communauté et je vois que les jeunes disent « Nous sommes jeunes Burundais et nous voulons vraiment nous focaliser sur notre résilience économique. » Dans le secteur de Kigoma, à Bougawila, nous avons rencontré Ahigene et Kolona qui avaient été découragés parce que ne comprenaient pas, au départ, l'approche de BBB. Ces groupements d'entraide mutuelle étaient des lieux où ils font les épargnes, où ils font le renforcement de capacités mutuelles, où ils se donnent des crédits, où ils font du business ensemble, où ils s'encouragent mutuellement à entreprendre, soit sur une base, soit individuellement ou collectivement. À Kirundo, Nadine Nahayo est membre de 3 coopératives, dont 2 qu'elle dirige comme présidente. Elle a réussi à diversifier ses sources de revenus grâce aux ateliers organisés par le programme BBB. Elle emploie aujourd'hui une dizaine de jeunes dans ses entreprises. Donc ça a été vraiment un succès où les jeunes sont parvenus à vraiment créer d'autres opportunités économiques dans les communautés et au profit des autres qui n'étaient pas directement touchés par le programme. Ce qui veut dire qu'il y a eu une sorte de spillover effect de ce programme qui était positif dans les communautés. 68% des bénéficiaires estiment aujourd'hui que grâce à ce programme BBB, les problèmes liés au manque de revenus ont diminué. Ce volet du programme a renforcé la résilience économique et sociale des jeunes de différents horizons politiques et ethniques au Burundi. Des jeunes financièrement autonomes sont difficilement manipulables. Ils peuvent par contre devenir des artisans de la paix et de la cohésion sociale. Dans le milieu où le programme a été implémenté, 86% des bénéficiaires se sentent plus en sécurité aujourd'hui.
kuko naje je ntambwe naringeze ko kabisa guca ngaho kwiryo barabara ndabe ibinogo haya by'ibisigarira bahanze mwabi wacu byarangora nibindi bazo nahuye navyo naramwituye aramfasha hanyuma rero ncana kandi kindi kintu cye niga nta muntu ashobora gukora umugambi w'iterambere mu mutwa gwayo. Le programme BBB a formé 154 assistants psychosociaux dans les provinces où l'a été implémenté. Pour quel résultat? Parce que nous avons vraiment touché des milliers de membres de communautés qui ont vraiment été accompagnés dans la guérison des mémoires, des traumas dans les communautés et qui sont devenus plus actifs et plus positifs en regardant leur vie et voir comment ils pouvaient aussi collaborer entre eux, mais aussi avec les autorités à la base, sachant que vraiment ils avaient vraiment été guéris de leur trauma du passé. À côté de la prise en charge psychosociale, le programme a développé d'autres approches. Mettre en place les gens pour qu'ils discutent de leurs problèmes. On utilise l'approche qu'on appelle théâtre narratif, où on se base sur, où on part sur l'histoire à problème, et puis on discute pour explorer les forces de la communauté, et puis pour arriver à une histoire préférée, qui est et un consensus de toute la communauté. Faire adhérer des communautés à l'atteinte de cet objectif de cohésion n'est pas aisé dans un pays où la méfiance régnait. Mais BBB y est parvenu grâce au transfert des connaissances des communautés bénéficiaires. Ceci à travers des formations de compétences à la vie courante. Aujourd'hui, 64% des conflits ont été adressés et résolus auprès des structures communautaires. Aba anye rero bari bafise amatati afatiye ku parcelle ariko ubu maze kubahuza baraza kubashikiriza icavuyemo ndamwiganira byose ingorane ziwanje ziriko ziramba ko ndavuga ati duhaye dufite parcelle siga umuryango kandi nanje ntawonogera kandi nanje mfise nk'urusata mfise ahantu noba nanje nkeneye nanje ahiwanje noba cyanumva iryo jambo irankoze ku mutima cyamvuga ati basi dusaba naze tubiheze hanyuma bihere dusubire uko twari nuko. À travers l'organisation des théâtres narratifs, la formation des assistants psychosociaux, les ateliers de compétences à la vie, BBB a contribué à renforcer la cohésion sociale et a accru la capacité d'atténuation et de résolution des conflits par les jeunes et par les communautés. 42% des bénéficiaires estiment que la confiance et la coopération est une réalité au sein de leur communauté respective. Une communauté cohésive formule ses doléances clairement. Elle est capable, avec les décideurs, de définir des politiques prioritaires répondant efficacement aux besoins de ses membres. Au niveau de la bonne gouvernance, le programme BBB a mis en place des comités locaux de gouvernance participative qui ont sensibilisé en 2020 58 307 personnes. Nous avons voulu accompagner les élus à la base pour pouvoir voir la nécessité d'impliquer une population qui a été mieux informée par rapport aux lois communales qui existaient, que le gouvernement avait mis en place. Comment est-ce que les membres des communautés pouvaient être des outils de mise en œuvre de ces outils du gouvernement? Et par ça, nous avons créé, avec les autorités aussi, les comités locaux de gouvernance participative qui ont vraiment été outillés et pouvaient travailler dans la sensibilisation de la population, mais aussi à collaborer avec les autorités. Madame Bertille, enseignante, cumulant plus de 40 ans d'expérience, fait partie des comités locaux pour la bonne gouvernance où les membres sont choisis pour leur probité et intégrité. L'état civil va qui guanabi. Tu veux nous garder comme une watch marie home. Mon maman corra marie comme une. L'état civil y a qui la vano. Avec un hamira, gira gote. Tu as gira tu l'as pas vu gira. C'est un héros à musubira ko uamono y a la vicosoi. Hanyuma hari abantu bahora bagenda bakirondera mu bitabo byo muri leta civile nyine bakibura bagasubira kubandika bushasha cyangwa gutanga andi mafaranga.
tumaze kuja kubavugira barabisize ku rutonde gushikaho ubu atawukigenda ngo yibure abana tuvuge nk'abo banyeshuri bari kwarondera ama extra n'ibindi bahije amashuri twarabavugiye umustanera aratwakira aratwumviriza ama barabisubiramo barabisize ku rutonde arabigira neza kuko turavye ukuntu bafashije abantu benshi kare hari aho wasanga bari mu ndyane mugabo ubu umugabo umaze kuza ivyarafashije kuko ubu babana mu mahoro n'umutekano. La sensibilisation auprès des femmes a porté ses fruits. Dans cette catégorie de la population, certaines ont réussi à se faire élire. À Minga Kayove, dans la province de Lutana, une d'elles témoigne. Hanyuma benegihugu baranyizigiye barantora ukuntu abenegihugu banyizigiye byari bivanye n'inyigisho twagiye turaronka muri uyu mugambi simbataza amahoro. En plus de la mise en place des comités locaux de gouvernance participative, des activités conçues et préparées en étroite collaboration entre l'administration et les communautés ont vu le jour. Ainsi, 74% des bénéficiaires du programme déclarent avoir participé de manière significative à des consultations des autorités locales afin de répondre à leurs besoins. Le programme BBB rame continuellement en amont où il joue un rôle important dans la société burundaise. Sa mise en œuvre contribue notamment aux efforts de justice transitionnelle menés localement. Pour ce volet du programme, les résultats sont satisfaisants. 93% des bénéficiaires déclarent avoir confiance au mécanisme de justice transitionnelle et 92% des bénéficiaires font confiance aux communautés pour lutter contre les injustices. Pour les parajuristes, étant donné que ce sont des structures d'appui des médiateurs, ils ont été formés sur certains textes de loi les plus usuels. Ce ne sont pas des juristes, mais quand même, ça vaut la peine qu'ils sachent quelques notions de droit. Il y avait cette nécessité d'accompagner les communautés à voir comment ils pouvaient vraiment se dire certaines vérités, regarder un peu dans ce qui se passait, mais aussi, accepter aussi de comprendre qu'il y a une nécessité de se réconcilier et aller de l'avant. Le programme BBB a formé 130 médiateurs, 130 parajuristes, 38 points focaux pour la justice transitionnelle et 300 acteurs locaux pour la réconciliation communautaire. No mu gutatura matati nyene izo nazo n'ingwane zishobora guhanga ikibano n'imigwi turafise ubuhinga twigishijwe turaheza tukagendera iyo migwi cyangwa se abantu bagirane ya matati bakatwitura tukagira icyo tubafashije ubuhinga rwo gutatura matati ntandi tubukura kuko twarabwigishijwe biri mu mutwi wacu. L'une des principales leçons apprises depuis le début du programme jusqu'à aujourd'hui est que la qualité de la participation et de l'engagement des bénéficiaires et de leur communauté, ainsi que des partenaires de mise en œuvre, est un bon indicateur de la durabilité de l'impact du programme. Nous avons vu que le travail en consortium, c'est un atout pour celui qui veut vraiment progresser, pour celui qui veut apprendre, pour celui qui veut améliorer ses pratiques, sa manière de faire, ses approches, mais aussi un défi. Si quelqu'un ferme les yeux ou s'il se cramponne sur ses positions. Du programme BBB, les partenaires de mise en œuvre, les membres des structures communautaires BBB et les communautés cibles resteront au sein des mêmes communautés et devront être en mesure de reproduire les approches et les méthodes apprises dans le cadre d'un nouveau projet en appliquant leurs connaissances pour un changement souhaité. C'est pourquoi le transfert des compétences techniques, mais aussi thématiques, est particulièrement important et pourquoi l'apprentissage à tous les niveaux a été fondamental. Et nous avons travaillé sur les aspects de la durabilité, de la pérennisation, en associant les autorités locales. Et nous avons organisé plusieurs séances pour réfléchir ensemble comment ils pourront continuer
à soutenir les résultats du programme. On a aussi mis à disposition des outils de formation qui contenaient les modules de formation pour les différents aspects de renforcement de capacité. Pour la durabilité ou la pérennisation des acquis de la paix, on peut commencer par les membres de les structures de BBB qui se sont organisés en deux petites associations pour que le programme puisse continuer même à la fin du programme. Sur ce point, nous avons déjà demandé à certaines autorités, notamment les administrateurs communaux, les gouverneurs des provinces, les curés des paroisses, qu'ils appuient nos structures lorsque les moyens financiers ne seront plus là. Heureusement, certaines autorités ont été affirmatives, notamment les curés des paroisses. Ils ont affirmé qu'ils vont les prêter main forte, qu'ils vont mettre à la disposition les bureaux de travail chaque fois que cela est possible. Même les administrateurs communaux, ils ont été affirmatifs. Ils ont dit qu'ils vont apporter main forte à nos structures parce qu'ils ont vu que le programme apportait quand même des fruits. Le programme BBB a contribué à la sécurité et à la stabilité à travers des changements concrets dans la vie des gens, en renforçant la cohésion sociale, en renforçant la confiance dans les communautés locales, bien que des défis subsistent au niveau national. Les jeunes deviennent autonomes contre la manipulation politique. Les différentes structures communautaires développées par le programme donnent aux membres des communautés locales une voix dans le dialogue avec les autorités locales pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité, tandis que les jeunes, les hommes et les femmes deviennent des agents de changement dans leur communauté. Les structures communautaires des BBB ont créé la confiance et accru l'assurance entre les membres de la communauté et les autorités locales. Les services de médiation et de parajuristes dans la prévention, la médiation et la résolution des conflits ont résolu les conflits au niveau de la famille et de la communauté. Le programme BBB répond à la fois aux besoins urgents, immédiats et de longue date des jeunes et des femmes au Burundi. Rero twaje tubona ko ibintu bakoreye mu rekano kwa rere jaje no mugambi twavuze duti nti hamenyereguza huko akaryoshe kadahora mu gitabo